On n'a D'accord. pas trouvé d'insectes. Moi, je vais te donner des exemples que j'ai retirés de ma peau Oui. dans les 2 derniers jours. Tu vas me dire ce que tu crois que ce qu'est c'est. Hein? Ouais, regarde avec. Tu vois mieux avec la loupe quand même, non? Ouais, je vois. Là, comme ça, voilà. Ok. Et je vois un grain, voilà. Toujours la même forme, hein, le Voilà, grain. le grain, et voilà. C'est pas de la peau morte, hein. Non, Si voilà. je voulais le fabriquer, je ne saurais pas fabriquer Et une peau morte. Toujours la même taille, toujours la même forme, hein. Je te dis, ça bondit parce que comme des puces. ceci était à l'intérieur de la peau, et tu les sens bouger. Et là, à l'extérieur de la peau, donc ils sont capables de faire des bonds. Et les fameuses fibres de couleur qui arrivent à pénétrer les ongles, Fibres de couleur, je vais te montrer tout. Les plus longs sont dans les cheveux. Hein. Je vais te montrer, parce que c'est là qu'on trouve les plus longs, les plus caractéristiques dans leur forme, dans leur couleur. Hein. Il y en a des transparents, il y en a des noirs, il y en a des rouges et des violets dans ces cheveux-là. C'est vraiment un truc de dingue. Mais quand tu vas chez un médecin, tu n'as jamais vu, qui ne te connaît pas. Tu lui racontes des trucs comme ça, il va te regarder l'air de dire, oui, un peu un Cammental ici, hein. These fibers burn at 1400 degrees or more. Est-ce que tu as essayé de les brûler? Il y en a certains qui brûlent et ils le disent sur l'internet. Hein. Il y en a certains qui brûlent et il y en a certains qui ne brûlent pas, et c'est vrai. Mais Mais ça disparaît pas. voyons ce qu'on y voit. Bon ben, regarde. Essaye de trouver les fibres de différentes couleurs et regarde leur longueur. Ça, c'est assez intéressant. Et alors, tu remarqueras le long des cheveux, il y a aussi comme des coulées de celui-là était très spécial, je ne l'avais jamais vu avant. Attends. Eh bien, celui-là, il était tout enrobé de fibres, regarde. Et ça en fait un cocon. C'est très particulier. Et voilà, là, ici, c'est ouvert, c'est actif. J'appelle Oui. ça actif. Actif, Et oui. voilà ce qui me Ah. sort là. Attends. Viens près de la lumière. Allez. Allez, d'accord. Ouais, ça c'est un mélange de petits œufs, tiens. On peut pas voir ça avec Non, juste trop un petit petit. trou.
our viewers. So tell us, what exactly is this Morgellons problem? The Morgellons problem is a syndrome, a disease that has... I, of course, did a little research. I will admit that at first I was a little skeptical. Doctors Rhonda Casey and Steve Eddy agree with me. Anche gli amici, cosa ne pensi? Il tuo commento, come vedi, qui c'è bella descrizione. Si chiama Morgellon. Il Morgellon è una enfermedad che fíjate hay imágenes al respecto che ne lo han tenido presenta come... Bastante curioso, da miedo, como una mutación de la piel. Mucha atención, porque aquí quiero que...